Allez les nazes, on bouge. Flash Info en direct de la place du Capitole pour la fête nationale, où un groupe de malfaiteurs a tenté de troubler les festivités. Les forces de l'ordre ont cependant repris rapidement le contrôle de la situation. Nous attendons le discours annuel du modérateur ce soir, où il fera sans doute mention de cet incident. C'est à cause de lui. Il est temps d'en finir. C'est pas ce qui était prévu. On s'en tient au plan. On s'en fout du plan. On a une putain d'occasion de mettre fin à tout ce merdier. Il faut pas la rater. T'as vu le bordel que c'était? Y'a plus de plan qui tienne. On lui fout une balle et on en finit avec tout ça. On s'en tient au plan. On reste ici sans faire de conneries, ok? Tu te souviens de Tricard et Berlico? Hein? Tu te souviens d'eux? Ils ont fait comme toi. Et t'as vu où ils ont fini? Tu veux finir comme eux, c'est ça? Ils sont morts parce qu'on a été infiltrés! Ils sont morts parce qu'ils ont buté les otages! Et parce qu'ils ont pas suivi ce putain de plan! Alors maintenant, tu la fermes! Et tu fais ce que je te dis! Il est où le civil? Il était un peu sonné, je l'ai foutu là-bas! Ça va, vous pouvez vous lever? Ouais, ça devrait aller. Et voilà. Je suis désolé, on a un peu rayé les rétros. Écoutez, on n'était pas censé vous embarquer là-dedans. On devait avoir 15 otages et d'habitude on prend jamais de civils. Vous avez quelque chose de prévu, un rendez-vous? Voiture de fonction? Pas mal. J'imagine que vos fins de mois doivent être assez confortables. On peut dire ça. J'aimerais en dire autant. Moi aussi. Vous savez, je fais pas ça à plat temps. Hein. D'habitude, je tiens une imprimerie au niveau de la centrale électrique. Vous connaissez? Ouais. T'as pas sonné, toi? Quoi? J'ai pas le droit de parler alors que lui fait un exposé sur sa pitoyable vie. Oh! Ça t'a pas suffi une fois? Apparemment, non. Oh, vous n'en rajoutez pas, hein? D'ailleurs, félicitations. Pourquoi? Vous l'êtes bien formé? Nous, on les prend très jeunes. Et puis au bout de 2-3 ans, ils nous suivent partout. Mais lui, c'est un hargneux. Hein. Plus dur à apprivoiser, plus dur à manipuler. Tu vois le genre. Rien dans la tête ou dans les bras. J'ai un peu le même chez moi. Un petit équel. Et rend la balle le vôtre aussi. Putain, oui, tu vas la voir, ta balle. Allez, vas-y. Fais pas ça. Si, vas-y. Et quelqu'un d'autre prendra ma place. Mais oui, regarde, il demande que ça, ce chien. Mais justement, il essaye de te manipuler, rentre pas dans son jeu! Ça servirait à rien de me tuer! Votre petite escarmouche serait vouée à l'échec! Ne l'écoute pas, il essaye de te manipuler, n'écoute pas! Ah! Reste concentré sur la mission! T'as pensé à le fouiller au moins? Non, j'ai pas eu le temps! Bah qu'est-ce que tu fous? Au lieu de tabasser à mort! Et vous fermez là, hein, si vous voulez pas être baïonné! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoutez, vous êtes en plein milieu d'une révolution qui va mener le régime du dictateur à sa perte. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais là, moi? On n'a pas eu le choix. On a été obligé de réquisitionner votre véhicule pour pouvoir emmener notre otage sur place. Comme vous étiez en plein milieu d'un champ de bataille, on a été obligé de vous emmener avec nous. Mais j'ai rien demandé, moi. Je sais bien et je suis encore désolé, mais on peut pas vous laisser repartir. Vous allez être obligé de rester ici. Combien de temps? On attend encore une communication de l'organisation. Et des autres équipes. Pour l'instant, pas de nouvelles. Mais si tout se passe bien, c'est juste une question de minutes. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini! Notre position est compromise! Qu'est-ce que t'as trouvé?
Alors c'est ça que tu cachais? Ah putain de trinqueur! C'est ta faute ça! Je t'avais dit de le fouiller avant de partir! Mais je l'ai fait! Je lui ai chopé son arme! Peut-être que ce truc marchait pas. On peut plus se permettre de supposer des trucs! Faut qu'on se tire d'ici! Si justement, faut absolument qu'on reste ici. Si le gouvernement est au courant, tu peux être sûr que l'armée va nous attendre dehors. Et s'il l'est pas et qu'on décide de partir, la prochaine équipe nous trouvera pas ici. Faut absolument qu'on reste ici. Mais on sait même pas s'il y a une prochaine équipe. Le plan a foiré. Faut qu'on prenne une décision nous-mêmes, et maintenant, faut qu'on se débarrasse de lui. Il faut pas que tu précipites les choses. Le plan n'a pas foiré. On sait même pas si ce truc-là fonctionnait. Mais on peut pas en prendre des risques. Si sa cavalerie arrive, lui, il s'en sort, et nous, on crève. Si on a pris un civil, c'est pas pour qu'il meure une heure après. Mais quoi, le civil? Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre? On n'a rien de prévu pour le civil. Tu plaisantes? Si on s'en tient au plan, on a une chance de s'en sortir. On a une chance d'être meilleur que lui et d'enfin mettre en place le régime idéal. Mais l'idéal, ça passe après. Le plus important, c'est de venger nos morts. Ils le méritent. C'est pour justifier leur sacrifice. Mais leur sacrifice était nécessaire. Pour éviter que cette enflure continue de buter d'autres personnes. Désolé, mais chaque vie compte. Mais tu peux pas renverser une dictature sans dommages collatéraux. Il faut que tu sois réaliste. Et c'est toi qui me parles d'être réaliste. C'est qui le gosse de riche qui se fait révolutionnaire pour jouer les rebelles à deux balles, hein? Moi, j'étais juste un pauvre passeur. Je faisais sortir des opprimés du pays parce qu'ils ont pas le profil pour se faire accueillir dans cette putain de société. Moi, ça fait des années et des années que je me fais rejeter. Si je vous ai rejoint, c'est juste pour me venger de ce régime, des putains de flics qui ont buté ma femme! Elle savait même pas tout ce que je faisais pour la nourrir. Elle sait même pas pourquoi elle est morte. Vous voulez prendre le pouvoir? Moi, j'en ai rien à foutre. Tout ce que j'espère, c'est que vous serez pas comme ces connards qui décident ce qui est bon pour le peuple au lieu de lui demander directement. Non mais attends, tu crois que moi, j'ai choisi de vivre avec une famille de bourges, d'être né dans une famille qui lèche les bottes du gouvernement H24 et qui préfère rester enfermée chez elle plutôt que de sortir pour se confronter à la réalité, hein? Moi, je me bats pour que le peuple retrouve son pouvoir. Et je me bats aussi pour qu'on ne bascule pas dans une anarchie. Je me bats pour retrouver ma liberté, et je me bats pour retrouver la liberté des autres. Mais ouvre les yeux, bordel! Celui qui est responsable de la mort de tous nos camarades, il est là, devant toi, assis sur cette chaise. On a les moyens de venger la mort de nos camarades en butant cette enflure. Alors vas-y, prouve-nous que t'en as dans le ventre. Prouve-le que tu ne peux pas virer le système. C'est le moment! Écoute, la question c'est pas de savoir si j'en ai dans le ventre ou pas. Pense à ces personnes qui sont encore en tôle, dans leur tôle à eux. Qui sont là-bas depuis des mois, des années, et qui savent pas ce qu'elles vont devenir. Tu penses à toutes ces personnes-là? Toi qui veux sauver un maximum de personnes. Tu préfères buter un homme plutôt que de l'échanger contre des vies qui te sont chères. Tu penses à Montoya? À Louis? Et Antonio qui sont enfermés là-bas depuis des mois, des années? T'en as rien à foutre qui crève là-bas? Hein? C'est ce que t'es devenu? Sans déconner! Et Ludivine? T'y penses à Ludivine? Bah oui! Super idée! Allons-y! Libérons-les! Allons chercher nos petits amis et rentrons fêter leur retour! Je suis sûr qu'avec un peu de chance, ils auront même le temps de profiter de la soirée. Avant qu'ils se fassent réembarquer par les flics! Alors maintenant, faut qu'on se bouge! Ils vont pas attendre jusqu'à demain pour appliquer! Putain, mais c'est quoi ça? L'organisation, elle nous a pas appelé! Ça y est, c'est eux, ils arrivent! Faut mettre un terme à tout ça! Arrête tes conneries! On est même pas sûr que ce soit des flics! T'es sérieux là? Tu me braques? Baisse ton arme et laisse-moi faire! Non, mais là, les gars, ça commence à devenir ridicule, hein. Ça fait deux fois que vous arrivez à la même situation! T'appelles ça finir une mission? T'es en train de foutre en l'air des années et des années de travail et de rendre inutile la mort de tous tes camarades. Si vous voulez, vous me filez aussi mon arme. Comme ça, je vais faire la petite fête. Hé! Je veux pas causer d'ennui, mais là, falloir que tout le monde se calme. Mais c'était pas à toi de le surveiller, le civil, par hasard? Mais j'ai essayé! Mais j'étais obligé de te surveiller toi aussi, pour pas que tu butes l'autre! Putain, mais je veux pas crever, merde! Alors calmez-vous, bon sang! Se calmer! Se calmer! Mais tu vis dans quel monde, mon pote?
les purges, la misère et la famine, juste en bas de ta fenêtre. Ça te dit rien? T'as pas envie de mettre fin à tout ça, ici et maintenant? Ou alors, c'est que t'es des leurs? T'es un putain de flic, c'est ça? Non, juste quelqu'un sautant. Sauver un état redevenu stable après des années de corruption et de délinquance. L'élimination des voleurs et des meurtriers a rendu nos rues et nos vies plus sûres. Mais il m'a fallu des années pour me reconstruire une vie après l'arrivée du régime. Alors, maintenant que je me suis fait, j'ai pas envie de retourner en arrière. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu veux buter des innocents maintenant? Tu veux passer tes nerfs sur n'importe quel civil que tu rencontres, c'est ça? Et regarde-le! Flic ou pas flic, il est comme les autres! Il soutient des meurtriers! Nos meurtriers! Je ne soutiens pas le meurtre, mais la sécurité et le droit de vivre. Regardez-vous, vous êtes que deux, et vous n'arrivez pas à vous décider sans vous affronter. Votre révolte va se terminer en anarchie, c'est sûr. Alors non, je ne soutiens pas ces crimes. Mais j'ai plus confiance en lui qu'en vous. Sérieusement? Il affame la moitié de la population, alors que l'autre se gaffe comme une oie. Il détruit la vie de milliers de personnes, parce qu'ils ne sont pas compatibles avec les idéaux de son putain de régime. Il encourage la délation entre voisins, pour les diviser, pour mieux régner. Et toi, tu lui fais confiance? C'est une pilule en plomb dans la tête qu'il te faut pour te soigner, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenu comme lui, ça y est? T'as juste envie de buter des gens pour assouvir ta vengeance? Mais elles sont passées où, tes convictions? Ferme-la! Je vais mettre fin à tout ce bordel, ici et maintenant! Vous n'êtes pas si différent de nous, au final. Vous ne cherchez qu'à servir votre propre personne, vos propres intérêts. Vous évoquez des concepts comme la liberté, qui sont moralisateurs et abstraits pour toutes les personnes dans cette pièce. Qu'est-ce que vous savez de la liberté? Leki ne sera jamais libre, car il en va de sa stabilité, et la liberté dont vous parlez n'est qu'un despotisme qui remplacera le mien, si jamais il arrive au pouvoir. Mes chers concitoyens, c'est donc ça votre liberté? Asservie à vos convictions. Mourons pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente.